Donc on visite la troisième partie d'Auschwitz. Cette troisième partie d'Auschwitz, elle comprenait un camp. Et elle comprenait un immense complexe industriel. On va le longer tout à l'heure, il y a 3 km de long. Et on le reconnaît très bien parce que, d'abord, il y a plein d'usines. Et surtout, il y a des barrières en béton tout le long. C'est une usine de caoutchouc synthétique, d'où le mot Bouna. La Bouna, c'est du caoutchouc synthétique. Et Monowitz, c'est le lieu où c'est installé, tout simplement, d'où le terme Bouna Monowitz. C'est une usine de caoutchouc synthétique dont l'armée allemande a besoin. Et cette usine appartient à des firmes allemandes, des firmes civiles allemandes, et en particulier pour Bouna Monowitz, à la plus grande entreprise chimique d'Europe à cette époque-là, qui est l'entreprise IG Farben. Là, ici, c'est l'extermination par le travail. Molévi, dont vous étudierez sûrement l'œuvre en terminale, que ce soit en histoire ou en littérature, travailler ici dans ces usines. C'est une photographie aérienne de juillet 45. Ici, vous avez le camp. Ce camp contenait environ 30 000 personnes. On est à l'intersection. La route que vous voyez là, c'est-à-dire que le village ici a conservé exactement la même disposition. Et là, si vous voyez du blanc de partout, c'est tout simplement parce qu'au moment où est prise la photographie, on est en janvier 45 et il y a de la neige. Et puis les routes sont dégagées, c'est ce qui fait les traits noirs. Mais vous voyez, si on prenait cette route, on va directement au milieu du camp. La seule chose qui reste du camp, c'est ces quelques structures en béton, hein, c'est les abris antiaériens que je vous ai montré tout à l'heure, et la disposition des rues qui est la même. Ce qu'on vous montre là, vous êtes, on doit être 0,0001% à le voir sur l'ensemble des visiteurs. Quasiment personne vient le voir. On est sur le site d'un camp de concentration et rien. Considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver, n'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas, gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants, ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Mais nous, ce qu'on va surtout regarder aujourd'hui, là, ce matin, c'est comment les nazis ont expérimenté l'extermination. Comment ils ont eu l'idée de gazer les gens? Comment d'abord ils ont eu l'idée de gazer les soviétiques? Alors c'est les soviétiques et aussi quelques opposants polonais. Le Zyklon B, je vous ai dit hier, c'est pas du tout fait pour tuer au départ. C'est pour désinfecter. Et ici, c'est le tout premier bloc où ils ont procédé entre le 5 et le 11 juillet 1940. Ils ont désinfecté le bloc avec du Zyklon B. Ce que vous voyez là, le trou au-dessus, c'était pour faire la ventilation. Parce qu'une fois que le gaz s'est répandu, le gaz il tue la vermine, hein, les poules, les microbes. Et ensuite, il faut aérer, sinon on meurt. On va dire qu'au dernier trimestre 41, les nazis procèdent au bloc 11, qui était le bloc de la mort, procèdent à une expérimentation avec le Zyklon B sur 600 prisonniers de guerre soviétiques et 250 malades. Ça a toujours été le problème des SS pour l'extermination, c'est faire disparaître les corps. Et qu'est-ce qu'on fait des corps? Alors ils ont sorti les 850 personnes la nuit sur des charrettes et les ont amenés là où on va aller, au crématoire 1, pour les brûler. Le crématoire 1, vous verrez, il se trouve en face de l'hôpital. C'est normal, hein, c'est un crématoire. Donc, et en face de l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on meurt beaucoup et on brûle tout de suite les corps. Les crématoires, il y en a dans la plupart des camps de concentration. C'est pas fait pour tuer les gens, c'est fait pour faire disparaître les corps pour des mesures d'hygiène. Les Allemands n'utilisent jamais le vocabulaire au premier degré. Ils disent pas chambre à gaz, évidemment. Ils vont pas dire gazage, ils vont pas dire assassiner. Ils n'emploient jamais ces mots-là. Ils vont dire pour le gazage, ils disent traitement spécial. Pour les victimes, les gens qu'ils assassinent, ils les appellent des morceaux. Stück en allemand. Ils disent jamais victime, ils disent jamais corps, on n'emploie pas le mot corps, on n'emploie pas le mot cadavre. Donc chambre à gaz, Gaskammer en allemand, on n'emploie pas ce mot-là, on emploie bunker. C'est le quai où débarquaient les Juifs arrivant à Birkenau, à Auschwitz II si vous préférez, jusqu'au mois de mai 1944. Et à partir de la Judenamp, une partie rentre au camp à pied, ce sont les hommes, les femmes valides, ceux qui vont travailler.
Ceux qui sont pris dans les camions, on leur dit que parce qu'ils sont fatigués, ils vont monter dans des camions et ils rejoignent directement ici les chambres à gaz et les crématoires. Il y a des familles entières qui ont voyagé ensemble. Et ce lieu ici, cette rampe, elle est très importante aussi pour ces gens-là, parce que c'est ici le lieu des derniers regards. Pour certains, c'est la dernière fois qu'ils vont voir leurs enfants, ou des enfants, la dernière fois qu'ils vont voir leurs parents. Mais c'était un lieu complètement désert. Il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas laisser ce lieu complètement déserté, alors que c'est ce lieu-là qui compte pour nous, parce que c'est là où on a été séparés des êtres qui nous étaient les plus chers. C'est aujourd'hui très bien conservé. Alors qu'il y a 2 ou 3 ans encore, c'était en train de disparaître. Pour faciliter les opérations, les Allemands font construire à l'intérieur du camp ici, à partir de mai 1944, une rampe, c'est-à-dire une voie ferrée qui entre jusqu'à l'intérieur du camp.